Tout fumeur de pipe doit savoir démonter sa bouffarde. Cette opération courante est essentielle pour nettoyer le tuyau de votre pipe et accéder au filtre de cette dernière. Cependant, bon nombre de fumeurs pensent savoir le faire, mais cassent finalement leur pipe lors de cette manœuvre. La piperie vous propose la bonne technique pour démonter votre pipe sans risque. Avant toute chose, il est impératif de laisser refroidir totalement votre pipe avant de la démonter. Si vous démontez votre pipe alors qu'elle est encore chaude, vous risquez de l'endommager. Pour démonter votre pipe, placez une main sur la tige et une main sur le tuyau. Positionnez vos deux mains au plus proche de la jointure. Il est vivement déconseillé de positionner ses mains aux deux extrémités de la pipe, car cela augmente les risques de casser votre pipe. Ensuite, tournez le tuyau sur lui-même en faisant comme s'il était vissé, puis tirez doucement pour l'enlever. Prenez garde de bien rester dans l'axe pour ne pas abîmer la tige et le floc de votre pipe. L'extrémité de la tige est l'endroit le plus fragile d'une pipe. Plus votre pipe est longue, plus vous devez être prudent lors du démontage. De manière générale, la solidité d'une pipe dépend de l'épaisseur de sa tige. Tout est question de compromis. Plus il y a de bois, plus la pipe sera lourde. A l'inverse, une pipe fine aura l'avantage d'être légère. Merci de nous avoir suivis. Je vous invite à visiter la chaîne YouTube et le site pipe.fr pour plus de détails.